Bon, donc je suis venu une nouvelle fois aux Assises des Énergies renouvelables pour le championnat Récupérer le maillot que j'avais eu l'année dernière. Euh, je viens tout simplement représenter Michel Brunet, hein, mon maire, qui a été d'ailleurs mon adjoint pendant de nombreuses années. Donc, on a cette euh, formule quand il ne peut pas venir euh, je, sur ce secteur-là, en tout cas, j'essaye de le remplacer. Aujourd'hui, on devait venir ensemble, mais il a eu des contraintes professionnelles qui ont fait que je me retrouve un peu seul ce soir. Mais il aura euh, l'information. Donc, euh, Albiéjeune, toute petite commune de montagne, euh, 1350 mètres d'altitude, euh, proche de, des stations de ski décibels, hein, donc dans la vallée de

Et depuis une vingtaine d'années, effectivement, nous avons beaucoup travaillé sur le solaire thermique dans un premier temps. Et aujourd'hui, le, les chaudières bois, granules et bois déchiquetés commencent à s'installer, sachant que la culture de nos pays de montagne avec le bois bûche est intéressante puisqu'il a toujours existé. Et on peut dire aujourd'hui pour les surfaces et les comparaisons que nous avons 10% de toits de maison avec du solaire thermique et à peu près une maison sur deux qui a un chauffage bois bûche ou autre. Donc c'est très intéressant, le photovoltaïque n'a pas encore sévi mais ça ne saurait tarder et c'est vrai que même un projet communal de euh, chaufferie euh, urbain de chauffage urbain pourrait peut-être démarrer euh, avec une réflexion un peu plus approfondie. C'est un vieux projet qui n'est pas abandonné, mais euh, bon, qu'on va essayer peut-être si l'occasion se présente de remettre à l'ordre du jour. Euh, donc ce qui est intéressant dans ces pays de montagne, c'est pas tellement de faire quelque chose dans un petit village, mais c'est de voir que les communes avoisinantes aussi s'inspirent et copient un petit peu, et tant mieux, de ce qu'on fait dans un, dans, dans, un, dans un petit village. Et puis on a une communauté de communes. Qui, depuis 2-3 ans maintenant, euh, comme d'autres communes le font, communautés de communes le font, euh, donnent des subventions qui sont substantielles euh, pour euh, tous les particuliers qui, euh, qui se lancent dans les énergies renouvelables. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur à la Maurienne et à la Savoie, qui est un département, en somme toute, euh, pas à la pointe parce qu'on l'a été pendant longtemps. Actuellement, il euh, y a des gens qui poussent derrière, donc il euh, euh, faudrait recompter un petit peu, refaire des refaire des comptes sur, euh, sur avec quels critères on, on choisit le, le, le département. Mais euh, j'en fais souvent part euh, euh, aux élus départementaux, effectivement, que le département doit continuer sur, euh, euh, sur ces, ces projets. Et effectivement, avec l'INES qui est dans notre pays, de Savoie, je crois qu'on a quand même un bel avenir devant nous. Donc encore une fois, j'excuse je, mon maire qui n'a pas pu se joindre à moi. Et je remercie en tout cas Leclerc et l'ADEME pour tout le travail qu'ils font avec ce championnat de France des énergies renouvelables. Voilà, merci.